Salut, bienvenue sur Luc Info Africain. Muriel Blanche et Ebenezer Kepombia ne sont pas de simples amis. Les deux acteurs sont fiancés, le mariage semble être très proche. Les deux stars du cinéma camerounais, Muriel Blanche et Ebenezer Kepombia, ont bien caché leur relation jusqu'à là. Mais les internautes ont fini par découvrir la réelle nature de leur relation. Avant toutefois de commencer, veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et vous abonner. D'après des révélations, Mitumba aurait fait la cérémonie du toque porte dans la famille de Muriel Blanche afin de se présenter à celle-ci. Mitumba avait profité de la présence de la famille le jour du deuil du père de Muriel Blanche et s'est présenté. Il a entièrement divorcé de sa femme, dont maintenant, Muriel n'est plus la Chiza. Elle est la titulaire et ils gèrent ensemble l'entreprise de Mitumba, a révélé une proche du couple. D'autres révélations ont également été faites. D'après cette même source, c'est grâce au réseau de Mitumba que Muriel Blanche a obtenu une place au sein de l'équipe, cœur des chroniqueuses. Et de plus en plus, Muriel Blanche dévoile discrètement des détails de leur couple. Elle a d'ailleurs organisé chez elle l'anniversaire du fils d'Ebenezer Kepombia. Les deux seront également sur un nouveau projet. Ils sont en train de préparer un gros projet cinématographique qui va regrouper beaucoup de grands acteurs africains et comme d'habitude, Muriel Blanche sera la directrice du casting, a-t-elle déclaré. La nature du conflit entre Mitumba et son ex-épouse Flavienne Tchata a également été dévoilée. Les internautes savent que le fond de l'histoire était des révélations faites dans une note vocale, mais d'après cette source, Mitumba avait accusé son ex-fiancé d'avoir dévoilé un élément important de sa vie personnelle, notamment les raisons pour lesquelles il n'a pas d'enfants légitimes, mais plutôt des enfants adoptifs. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner. A plus pour une nouvelle information sur nos stars africains.